Et salut à tous, c'est Scriptable. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Just Playing. Et aujourd'hui, on est sur Minecraft. Donc, on va un peu se détendre sur Minecraft, sur la map. Help, crie John, le villageois. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Sauver John, une map qui est sortie il y a peu longtemps sur Minecraft FR. Donc, je vais vous lire les panneaux et on va tout de suite comprendre la map. Bienvenue dans MP Map. Help. Crie John villageois. Comme son nom l'indique, il faut sauver ce cher John que des hordes de zombies veulent tuer. Règle de la map, jouer en easy ou plus. Alors, facile, parfait. Si vous êtes fou, non, je suis pas fou. Un sable égale 1$, ça j'avais compris. Ne rien casser, d'accord. John est le PNJ du milieu. S'il meurt, vous avez perdu. Les autres PNJ sont des appâts. D'accord. Et si l'un d'eux sort du trou, remettez-le. Remettez-le. D'accord. Les seaux d'eau servent à aller dans les trous des villageois morts, en attendant d'en racheter un nouveau. D'accord. Bon jeu et bonne chance jusqu'à la vague 24. Oula, 24 vagues. Ça se complique. Ah. Est-ce que je peux dormir? Non. Bon. Ouf. Ça, c'est bon, ça. Donc, on va un peu économiser. Quoi que non. Ah si, les arcs ça perd de la vie maintenant, c'est vrai. Quoi qu'on va se garder un arc et des flèches au cas où je meurs. On va un peu organiser. Je suis pas très organisation, mais je peux le faire pour vous. Attention. Voilà. Non, lui on va le laisser. Ça pourrait nous servir les seaux d'eau. Bah voilà. Bien sûr, on va se mettre le stuff. On dirait un sniper dans Call of Duty. Ouh. Ouh. Bref. Objet enchanté, level 4, armure diam épée diamarc. D'accord, donc en gros, on paye 20$ et on a des objets. Alors, hein. Nouveau villageois à pas, 5$. Ne l'utilisez que si un de vos villageois est déjà mort. Dans ce cas, placez le nouveau villageois dans le trou laissé vide. Oh. Comment on l'allume? Bon. Et puis, équipant en diamant incassable. Incassable. Ça existe? Je sais pas. Équipement épée en diamant, d'accord. Salle d'enchantement. Ah, c'est ça en fait, c'est on active la salle d'enchantement. 10$, d'accord. À chaque dévi de vague, pour en faire des potions. Ouais, mais ça m'intéresse pas trop les potions. Équipement épée en fer, 2$, d'accord. Ouf, un golem. 5$, d'accord. Brancher le piège avec les dispensers, 8$. Ouais, brancher le piège avec les TNT, 8$. Acheter un chien, 5$. Bah, je verrai. Activer les obstacles de Mistal, activer les obstacles en dalle de cobblestone, et activer les trinquants de bégum. D'accord. Ah, donc là c'est les vagues. Et fin. Ouf, faut que je tienne jusqu'ici. Même si je sais que j'ai pas réussi. Lancer la vague. Enfin, le sable aussi. Ouais, je vais pas l'activer tout de suite, vous me permettrez. Si la lampe est allumée, alors c'est que le PNJ est déjà mort. Ouf. D'accord, je vois. Ah, c'est ça les obstacles en gros. Si on l'active, ils doivent se lever ou je sais pas quoi. C'est pour leur faire perdre du temps, je pense. Bon, bah, je vous propose qu'on commence. Bon. Attends, je vais juste faire un petit tour avant. Non, allez. On va commencer. Histoire de pas perdre de temps. Oups. Faut les sauver, donc faut pas qu'ils meurent. Oh. Il y en a pas mal. Il y en a deux, ça va. Désolé, je bug un peu. Toi, toi, non. Non. Par contre, lui, comment je le remets?
Allez, tombe. Ah, voilà. Bon, je vais lancer la vague. Je vais activer les obstacles, parce que les obstacles, ça a l'air vraiment utile. Ouais, bon, on va activer les octaves de bois. Voilà, donc on peut voir que c'est un système pour les maps aventures très utile. Qui permet en fait de leur faire perdre du temps tout simplement. Oh mince, j'ai oublié d'activer. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de zombies là. Ça va devenir de plus en plus chaud. Allez. 1, 2, 3, 4, d'accord. Oh, c'est chaud hein, quand même. Oh, heureusement, il m'attaque. Je pense que je ferai la vidéo en deux parties. Parce qu'elle risque d'être assez longue. Hop là. Bon, deuxième vague réussie. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? 5$. Avec 2$, on peut rien faire, d'accord. Bon bah je vais continuer à me battre. Voilà, et on va lancer dès que j'aurai toute ma vie. Moi, spécialement, moi j'adore cette map. Je trouve ça. Ouh, petit lag, désolé. Je trouve ça juste amazing. Désolé. Un peu. En fait, faut que je les attire vers moi. Comme ça, ils m'attaquent. Faut tout ce que les toucher pour qu'ils attaquent. Oh, ça va, je gère. Bon. Vague 3. Ouh, à la fin on doit avoir 24 sables. J'ai pas trop envie d'activer les pièges. Quoique, si, je pense que c'est dans l'ordre des choses. Ouais. Voilà. Bon, j'ai tout usé. Mais est-ce que ça a vraiment une bonne utilité? Oui, pas mal quand même. Bon, on va activer une nouvelle fois la vague. Je vais aller m'attaquer à... D'accord. Je vais aller me faire... Voilà, ils sont tous contre moi. Mais non, je peux pas aller m'attaquer. À eux. Non, non. Non. Voilà.
pas dit de l'eau. Fallait que je mette de l'eau. Pour les œufs. En attendant que je rachète des trucs. C'était un peu chaud quand même. 4, je vais m'acheter un stuff en fer. Quoique le stuff en diamètre à combien? 6, ouais, non, je vais attendre. Ouais, mais attendez. Équipement, épée en fer. Équipement, épée en diamant. Ouais, je préfère quand même. 5 dollars. Non, je vais rien acheter. Je vais économiser. Excusez-moi, il faut que je rappuie. Là, ça risque d'être plus difficile. On est à la cinquième ou sixième vague. Cinquième, je crois. Je vais les attendre au spawn. Ils ont compris c'est qui le boss. Non, 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 j'ai perdu. Oh, c'est un très, je vous l'assure, il est très dur ce jeu. Bon ben, ce sera tout pour cette partie. Je sais qu'il y en a qui vont se foutre de moi parce que j'ai pas duré, hein, on peut le dire. Voilà, bon. Bon, alors j'ai survécu au total. J'ai honte. J'ai très honte. Toi, tu as au total 5 manches sur 24. C'est la honte. Je le sais. Et ben, voilà. Je pense que j'en referai une vidéo dessus. Pour me remettre pour un peu, voilà quoi, parce que c'est vraiment la honte quand même de perdre cinquième manche. Enfin bref, en tout cas, on se dit salut et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye.